pas devant, perd le disque et c'est un dégagement de la part des Éperviers. Et c'est Bouvet-Morissette qui vient de se prendre, le sauver, le tir et le but! André Bouvet-Morissette qui a surpris la défense des Pétroliers. Et les Éperviers prennent les points. C'est le temps. Reprend la rondelle, a tenté de rejoindre la baie de l'autre côté. Guyon, quel mauvais jeu là, en défensive du côté de Jonquière. Guyon tire et compte! Quelle bévue en défensive de Simard qui permet à Maxime Guyon d'enfiler l'aiguille. Ce qui fait que c'est maintenant 3 à 0. Oh, on va s'en vouloir là, du côté... Bâton de Drolet après avoir fait lever le bâton qui reçoit au visage. C'est Denis Galondel. Denis passe vers Guillaume. Belle fin de tir! Oh, wow. Et le but! Oh, wow. Bonsoir les jeux de la semaine, mesdames et messieurs! Quel jeu de la part de Yannick Riendo. Et là, Bérubic s'est avancé. Je crois bien qu'on avait une pénalité. Et là, waouh, quel but de la part de Yannick! Pour Lemers. Lemers devant l'épine. Remise. Et il soit réception le tir. Oh, Lemers! Wow. C'était pas comme ça, mais encore une fois. C'est Marcoux qui s'interpose. Il y en a un autre qui a été habile avec sa mitaine mardi dans la victoire. Clark également va d'un tir. Ça va à Pépin. Pépin dans le coin. Là, remet la rondelle directement à Caron. À Joannette, le tir. Quel arrêt de la mitaine de Philippe Desrosiers. Et là, c'est Larose et Caouette qui ont maille à partir. Et la mêlée qui est... Policier Parkin devant les Pétroliers qui est furieux. Pendant ce temps-là, Wakehead qui s'amène. Wakehead, l'arrêt de Pagliarulo. En fait, je ne suis pas certain qu'on a réussi à prendre un tir. On revient dans l'enclave. Le tir est bon! Guillaume Gaultier qui donne la victoire aux Éperviers. Les Éperviers, donc, qui prennent les devants 2 à 0. Et là, on va... J'ai l'impression qu'on va demander... Est-ce qu'on va...